Salut à tous les amis, c'est Alex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouvel épisode du Let's Play de God of War Ragnarok les gars. Donc pour l'épisode 22, il me semble. Donc rappelez-vous, on est arrivé là, Atreus il était reparti pour retrouver Odin, pour essayer de le mettre à l'envers, clairement de jouer un peu dans les deux camps et tout. Et là on doit aller voir le masque, enfin on doit aller ouais, au masque, je sais plus quoi là. Bref, on y retourne du coup. Désolé de vous interrompre. Oh, tu n'interromps rien du tout. Forcez-y, mais une enquête. Donc la vérité éclatera tout le temps. Mais j'espère bien. Pars, c'est mieux. Oh, tu vas te calmer, toi. Qu'est-ce qui s'est par là? La panique ne sert à rien. Contrôle-la. De toute façon, il a dit qu'on était chez nous, qu'on avait le droit de revenir, donc on revient, c'est tout, en bas. Emdahl est mort. Saurais-tu quelque chose à ce propos? Oui, c'est mon père. Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout, rien d'inhabituel? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trude pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger, j'en sais rien. Insinuerais-tu que mon fils y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Hey. Je vous jure. Il fallait que je sache. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Attendez 2 secondes, les gars. Content de te revoir. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot, là. Oh, vraiment? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid. Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu m'épates encore. Va, prends le masque, prends l'épée, prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Tu m'as manqué aussi. Dis, Ingrid, tu ne saurais okay, pas où bon, se bah, trouve les gars, Thor? On t'a trouvé Thor. Oui, je m'en doutais. Non mais tu veux qu'il soit où, frère? What the fuck? Il doit être dehors. Par ma chambre. C'est peut-être la dernière fois que je peux toucher à mon équipement. T'as les vieux carrières, Laurent. On y va. Deux petites secondes. Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler? Bah déjà on peut améliorer ça, hein. Allez hop. Bah voilà, déjà c'est bien, c'est parfait. Parfait les gars. En fait c'était juste pour histoire de dire quoi. Pardon, le père de tout m'a dit d'aller à Niflheim avec ton père. Je ne le vois nulle part et je me demandais si tu savais où je pouvais le trouver. Il n'était pas avec mon grand-père? Non. Je crois que je sais où il est. Suis-moi. Je voulais également te parler d'Emdahl. Non, pas ici. Tu as raison, plus tard. À
Helheim, j'ai dit que je ferais comprendre à ta mère ce que devenir une Valkyrie signifie pour toi. Je voulais juste te dire que j'étais sincère. Non, tu te fiches de moi. T'es encore en vie? Je ne lui ai pas encore parlé, mais je le ferai. Dès mon retour. On aura bien le temps de s'occuper d'elle plus tard. Merci, Loki. Les armes sont interdites à l'intérieur, on va devoir les déposer. Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Allez, par ici. Allez, sinon ils ne laisseront pas entrer. Ouvre l'œil. Il est ici. Trude, je suis... C'est bon. Salut, Thor. On dirait que tu es occupé, alors... Prends ton temps, d'accord? Aucun problème. Rien de presse, vraiment, mais... J'étais sûre de te trouver ici. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'as rien à faire là. Et toi? T'aurais jamais dû venir avec elle. Qu'est-ce que tu fais, hein? Je me détends. Est-ce que j'ai dit que rien ne pressait? Parce que, en fait, il faudrait qu'on y aille, hein? On ne doit pas faire attendre le père de tout. Silence! Il a raison. Tu devrais y aller. Père... Ne fais pas ça. Il est beaucoup trop tard. Le monde saura que le dieu du tonnerre est bon à deux choses. Tuer des géants et se saouler à l'hydromel. Et tous ceux que ça dérange pourront voir Mjolnir de très près. Je rêve. Ce n'est pas toi. Thor. Huggy nous attend dehors. S'il te plaît, on y va. J'ai dit silence, morveux. Je m'appelle... Tu... Quoi? Non, je... Oh, allez. Non, non, c'est pas du tout ce que je... Ça s'est fait. Ça m'avait manqué. Je n'ai pas perdu la main. Ah!
avance. Sérieusement ? Maintenant, il te suffit de lâcher. Attrape ses bras, sortons-le d'ici. Joli combat. Désolé que t'aies eu à le voir comme ça. Non, non, c'est rien. Vraiment. Forte, mais j'ai besoin de ton aide quand même. Allez, c'est pas si loin. Lève-toi. Oh, Trudy. Tu dois aller à Niflheim avec Loki. Le père de tout l'ordonne. Debout maintenant, père. Je sais que tu es déçu. Moi, déçu? Non. Non, 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 non. C'était un très beau combat. Tu ne vas même pas t'excuser cette fois, n'est-ce pas? Après tout, ce n'était qu'un mensonge de plus. Quand père ne s'est pas occupé de toi, tu en as bavé, je comprends. Mais ce n'est pas une raison
avec toi. Maman et moi, on te soutient. Même quand tu es dans cet état. Nous t'aimons, et tu le sais. Je pensais qu'on en avait fini avec tout ça. J'ai merdé. Ouais, tu as merdé. Tu veux un peu d'eau ou autre chose ? Ça ira. Dépêchons-nous, d'accord ? Tu as hâte de rentrer à Asgard ? Amène-nous au morceau. Ingrid, si tu pouvais sentir ça. Ça valait le coup ? Bien, mais j'espère que tu sais ce que ça lui a fait de voir comme ça. J'espère que tu le sais. Ce n'est pas toi qui vas me dire comment élever ma fille. Remets-toi. On dirait qu'il faut qu'on traverse ce mur. Je dois d'abord faire quelque chose. Entends-toi. Non. C'est ça, demi-géant, fils d'un puissant dieu aux atteintes démesurées. Comment je pourrais savoir ce que ça fait ? Viens le pas ! Je n'essaie pas de faire quoi que ce soit.
Je soulignais simplement qu'on n'était pas si différents. Aucune envie de me lier d'amitié avec toi. Encore un mur de glace. Thor, tu peux... En fait, je voudrais juste ajouter une chose. Si tu ne peux pas être toi-même, tu as peut-être aussi le sentiment de ne pas pouvoir suivre ta propre voie. Tu es certain que ça ne provoque rien du tout ? Ok les gars, désolé, alors bon, on a fait plein de trucs depuis tout à l'heure, avec Thor là, ouais, il voulait pas venir avec nous du coup ce chien, au final on n'aurait pas le convaincre. Maintenant on est parti, pour découvrir que ça mène le masque, allez, ah putain il a un truc qui le soigne, c'est vrai j'avais zappé ça. C'est ça non? Non c'est même pas ça je crois. Je sais pas si c'est cela. Si c'est cela. Let's go, on vous a baisé, bande de merde. Où est-ce que tu vas? Ah, je prends le coffre, comme toi, hein. Oh, il me parle sur un meilleur ton, hein. Ça le fout, va. Bah ouais, mais du coup, là, c'est où? Intérieur, je pense. Par là, ouais. Ça doit être là. Même pas, c'est là-bas. Quoi? Faut aller en bas. Ah mais on peut basculer. Ah mais elle a fait peur, je crois. Pourquoi on ne pourrait pas? Ok, là il y a des trucs. On me casse les couilles à faire des trucs glacés là. Dégage, voilà, connard, bah, connard. Et bien voilà, c'est pas si compliqué que ça finalement. On est loin de l'atelier d'Ivaldi, hein? Assez loin. Ok, c'est pas là. Par là. Bon sang, wow, ancien de vivre, non. Je me plains pas, j'annonce un problème, c'est différent. Viens pas. Marie, tu es content que je sois là pour t'aider cette fois. Je me remercie. Ah le bâtard. Bah c'est bon, il est mort. Allez hop. Il suffit de les pulvériser. Plus de problème.
Là-bas, il y a des trucs, non? Je sais pas, attends. C'est par là le masque, je le sens, non? Par ici, droit devant. Ouais, j'étais sûr. Allez, casse-moi ça, mon ref. Voilà, c'est bien pour une fois que tu seras à quelque chose. Et toi, tu veux quoi là? Pas de coffre? Ah, bah si, voilà, on savait bien qu'il y avait un petit coffre caché. Il n'y avait pas ça pour rien, les gars. Bien sûr, on le sait. On connaît à force. Hein. S'il fait trou, je veux dire. Si le père de tout est satisfait, peu importe. Écoutez-moi. J'ai pas besoin que tu règles mes problèmes de famille à ma place. Contente-toi de trouver le masque pour qu'on puisse quitter ce monde. On a de coffre là, c'est parfait. Mais bah attendez, avant que j'équipe le masque, j'ai le droit de regarder mes coffres et tout, non? On a tout l'air d'être par là. Hein. Voir là. Là-haut, on dirait qu'il y a un passage. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Allez, casse-moi ça! Dégagez le passage. Apprécies-tu ta voilà. Liberté? Ici, sans favir constamment sur ton dos. Je... Eh bien... Oui, je crois. Ça change de ce à quoi je suis habitué. En bien. Il faudrait rejoindre le sommet de cette falaise. Arrête de penser. Eh ben voilà. Mieux quand je m'y attends. Au moins c'est rapide là, pour une fois. Pas besoin de chercher 10 000 trucs ou quoi là. Alors, on proche. Je vais regarder. Ouais, après c'est ouf. Par là alors. Ah ouais, d'accord. Hop là, c'est parti. Ok, vous me cassez les couilles. Il les a défoncés, frère. Wesh, il meurt en deux secondes, hein, c'est une dinguerie. J'espère que tout se passera bien quand tu reverras Sif et Trude. Ouais. C'est beau espérer. Chaque fois l'épée, j'ai cru que c'était un mec qui m'attaquait alors que non, je suis trop con moi. Vérité. Ah mais si, il y avait vraiment un mec par contre. Aïe aïe aïe. Je te tiens. Ouh, c'est pas passé loin. Merci, Thor. Je ne compte pas perdre. Loki, tu as réussi. Nous allons accomplir de grandes choses en mettant nos forces en commun. Y a pas de quoi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais ici? Son père a tué Heimdall. Forcez-y peut le prouver. Emmenez-le. Non. Laissez-le tranquille, c'est un ordre. Tu avais promis que le sang des As ne coulerait plus. Que les tiens passeraient en premier.
Ne crois-tu pas que le temps est venu qu'il paie pour ses crimes? Il a mis ta petite fille en danger. Il a détruit la vie de ton fils. Loki n'a pas tué Heimdall. C'est l'œuvre de son père. Ta fille est assez grande pour faire ses propres erreurs. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous! Vous deux, un mot. Ne vois-tu pas ce qui se passe? Il ne nous protège pas. Magni, maudit, nos fils. Nous leur contions des histoires près du feu. Tu t'en rappelles? Nous leur sculptions des chevaux de bois. Nous jouions et nous rions jusqu'au coucher du soleil, quand ils s'endormaient sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du père de tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi? Et si Trude était la prochaine? Retournez mon père contre moi, ma fille. J'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hey, ça suffit! Vexindri, juste. Vexindri. Putain, ça a marché le truc qu'il lui avait donné, c'est vrai? Atreus. Oh, en plus, il a le masque, c'est vrai! Ouais, je proche gueule. C'est vrai, ouais. Oh! Merci, Sindri, le truc, ça. Ça ralasse. Ah, on est dans le. Ah, bah, du coup, on joue Kratos. On est dans le truc entre les portails, ok. Entre les royaumes. Mais. Qu'est-ce que vous faisiez là? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh, je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Mais toutefois, puisqu'on en parle. Mimir. Mon frère, je t'en prie, tout ce raffut et cette tension chez nous, ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure? Un retard est l'inévitable. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais ça peut attendre. Hop là. Tu te souviens qu'on n'a pas la pierre d'unité pour faire... Assez, je me souviens. Je suis de retour. Tu as réussi. Je vais chercher Tyr. Installe-toi à table si tu comptes rester. Alors, je vous avais dit que la clé le ramènerait chez nous. Tout ça grâce à un coup de marteau. La magie des nains n'a aucun sens. C'est vrai. Un jour, Lunda m'a fait un plastron à partir d'abois. Tu es rentré. J'ai toujours pas compris comment. Je vais bien. Mais j'espère qu'éveiller cette chose en valait la peine. Tu l'as récupéré. Que t'a-t-il montré? Je ne l'ai pas encore utilisé. Ils ont compris pour Heimdall. J'ai dû fuir. Au moins, Odin ne peut pas l'utiliser non plus. Mais si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin, juste après que ton père a tué son plus fidèle allié. Nous ne sommes pas en sécurité, même ici. Alors on n'a pas le choix. Nous devons trouver Surtr, sonner le Gjallarhorn et nous charger d'Odin. Et vite. Vous tueriez tous les Asgardiens et parleriez de légitime défense. Propose-t-il parfois des plans ou se contente-t-il de cracher sur ceux des autres? Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez. Nous saurons ce dont nous avons besoin pour enfin briser cette prophétie de malheur. Si je puis me permettre, nous n'avons aucun moyen de nous rendre à Asgard. Il possède le grand corps, non? Oh, donc tu voudrais qu'il se faufile à Asgard en soufflant dans un corps qui résonne dans les 9 royaumes? Surtout te coller mon pied dans l'arrière-train. S'il vous plaît, pensez-y. Bah allez, hein. Ce masque fait miroiter des réponses faciles. Mais une chose est sûre, la facilité a toujours un prix.
Atreus, toi qui l'as porté, qu'en penses-tu? Je le vois comme un atout. Au pire, il nous servira à appâter Odin. Au mieux, s'il possède les réponses, nous pourrons forger notre propre destin, sans verser de sang. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans Asgard. Comme si c'était facile, mais bon. Je vous ai freiné dans votre quête. Et vous vous êtes demandé pourquoi vous m'aviez libéré. Moi aussi. Mais j'ai compris. Tout est clair à présent. C'est à moi qu'incombe cette tâche. Une dernière fois, je vais saisir ma lance et... je vais vous conduire à Asgard. Une petite minute. Si tu savais comment entrer à Asgard, comment ça se fait que tu craches le morceau seulement maintenant? C'est une très bonne question, mon frère. Attends, tu nous as caché ça. Tu nous aurais tous fait tuer. Et il fallait laisser le temps à Loki de découvrir son destin. C'est chose faite. Tout mène à ce moment. Si nous réussissons à entrer, je me chargerai d'Odin. Ah bah ça, on n'en doute pas. Nous pouvons faire les deux. Bien dit, mon frère. Si le masque ne nous... Ça commence la guerre, les gars. Ça y est, on y va, là. Ça va. Alors allons-y, et faisons vite, avant qu'il nous voie venir. Il a horreur des surprises. Oh, ça va mal tourner, je le sens. Ah, j'ai peur. Espèce de grande asperge. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce nouvel accès à Asgard que t'as déniché. Balance. C'est un vieux passage, on ne peut pas l'atteindre d'ici. Et d'où alors? Laissez-moi prendre mes affaires et je vous montrerai. Tu n'as pas d'affaires. Et où tu vas avec ce masque? Rock. Ça appartient au petit. Il l'a gagné. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insipide. Brock, c'est pas grave. Si, c'est grave. Il y a un truc qui cloche. Dans toute son histoire, il n'y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelle Loki, par exemple? Tu sais bien que c'est pas son nom. Hé hey, je te parle. Non. Non. Fils de pute, tire. Non. C'était Odin. Dis à ton frère de me donner le masque, ouais. Freya. S'il meurt... Non, non, ça ne faisait pas partie du plan. Mais s'il meurt, on sera quitte pour Heimdall. Et franchement, ce n'est pas cher payé. Je te tuerai de mes mains. Non, les gars. C'était un plaisir de te revoir. Freya, je t'en prie. Tu vas devoir faire un choix, Frigg. Hey, personne ne bouge, d'accord? N'allez rien faire de stupide. J'ai fait des choses stupides. Te tuer n'en fera pas partie. Lâche mon fils! C'est moi qui donne les ordres! Lâche-moi le masque! Allez! Désolé, petit. Cette guerre aura bien lieu. On a réussi à avoir le masque. Mais Brock, non, pas lui, les gars. Vas-y, sauve-le, s'il te plaît, Freya. Allez. Il le faut. Ne pars pas. Ne pars pas. Non. Peut-être encore en tournant la nuit. Laisse tomber. Non, les gars, je pleure. Voilà, non, c'est trop. Non, pas lui, non. Non, les gars! Oh non! Non! Non, les gars! Ça y est, c'est officiellement l'épisode le plus triste. Oh non! Non.
depuis tout ce temps, c'est... Bon. Tu t'en tires, c'est audace, ça, comment... Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Maintenant. Maintenant, on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Atreus. Viens. Quoi ? Où ça ? C'est sans importance. Où est-ce que tu vas ? Wesh. C'est fini. Tu ne peux pas fuir, Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Putain, du coup, on fuit, là ? Vraiment ? Oh, les gars, je suis trop dégoûté pour Brock. Ça y est, là, je... Putain. Oh, c'est trop triste, frère. Père, où est-ce qu'on va ? Chez nous. Oh non, putain. Mais il nous laissera pas tranquille, frère. C'est ça le problème. On a tué son fils, Heimdall. Et en plus, on a encore le masque, donc c'est mort. Je veux aller chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés, Atreus. Wesh. Je chasse où ? Le cerf. Où doit-on aller, petit ? Là où se trouve le cerf. Chasser le chagrin. Putain, je m'y attendais tellement pas. C'est quoi cet épisode bouleversant là ? D'un seul coup, tout s'est accéléré. C'est trop, frère. J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Laisse-lui du temps. Ici. Des traces. Ils vont dans cette direction. On va par là. Hein. Atreus, la violence nous change. Ce n'est pas être faible que sentir ses effets. Nous sentons tous ses effets. On est sur la bonne piste. Bah ouais. Il y a des branches brisées par ici. Venez. Cette scène... Je la revois. La lame... Ok. Il va nous faire chialer. Il va nous faire chialer. Arrête. Le voilà. Non. Coup de levée. La précision avant la vitesse. Mais pourquoi ? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt.
toi et moi avons été blessés. Et ceci n'est qu'une distraction. Tout est ma faute. Non. Je devrais chercher Sindri. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Je te suis. Allez, c'est parti, hein. Est-ce qu'on peut y aller en traîneau? Bah vas-y, on y va en traîneau, hein. De toute façon, il y a 1000 mètres, mon gars, donc t'inquiète pas, frérot, on va être un peu obligé, là. Hein. Je vais pas faire ça à pied, hein, je te le dis. Que j'aille, ouais. Je vois des rappels de mes erreurs. Nous attendons des conséquences. En voir des rappels n'est pas une punition. Ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble quand même, hein. J'avais seulement... Percer une illusion qui nous a tous trompés. Empêcher une attaque que tu ne pouvais prévoir. Il n'y a pas de si, Atreus. Ton père dit de toute façon, c'est fait. Il est des choses que même les dieux ne contrôlent pas. C'est fait, on n'y peut rien, de toute façon. Svana. Speki. Nous prendrons le traîneau dès que tu seras prêt. Bah on y va, hein, on va ouvrir le portail puis c'est bon. On est parti, on est parti. Temple de tir. C'est là-bas qu'on va. Putain, depuis tout ce temps, les gars, ça veut dire que tir, c'est une putain d'illusion et c'est Odin, frère. Depuis tout ce temps, c'est une blague en fait. C'est une dinguerie, ça. Les gars, c'est chaud quand même là. On s'est fait baiser. Comme celle de Brock, quitte son enveloppe charnelle, eh bien, elle n'atteint pas le lac des âmes. Non seulement Brock est mort, mais son âme n'est plus. Il n'y a rien à ramener. Vraiment mort. Atreus, s'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, je te l'assure, nous le ferions. Je sais. C'est stupide de ma part d'avoir voulu y croire. Lac des nœuds. On se souvient, on est déjà passé par là. Encore plein d'eau. Ouais. Je vais monter sur un bateau et m'éloigner d'ici. M'éloigner de tout. Tu ne peux pas t'éloigner de tes erreurs. Il est impossible de les oublier. J'ai essayé. Ouais, crapuler les filles. Elles te suivront où que tu ailles, petit frère. Avec ta femme. Si tu dois partir, pars vers un objectif. Un rebout du pont doit encore marcher. On pourra monter au temple par là. Allez hop.
J'espère qu'on va vraiment le trouver là-bas. Ah ouais, quoi, il y a moyen là-dedans, ouais, c'est vrai. Atreus, qu'est-ce qui te fait croire que Sindri sera là? C'est là qu'ils se sont réconciliés. Reforger une chose cassée. Il sera là. On va voir en ce moment de fini. Qu'est-ce que tu m'as aidé là? Sindri. Sindri, je regrette tellement. Non. Je ne veux rien entendre. Tu ignores de quoi tu parles. Odin ne s'en tirera pas comme ça. Le même Odin que tu as invité dans ma maison? Il nous a tous trompés. Oh. Mais certains l'ont été plus que d'autres. N'est-ce pas? Je vous ai tout donné. Mon talent. Mon amitié. Ma maison. Mes secrets. Mes trésors. Et vous avez pris toujours plus. Que me reste-t-il à présent? Je n'ai même plus de famille. Tu parles de regrets? Voilà ce que c'est, des regrets. Je... Qu'est-ce qu'on peut faire? Où? Il n'y a pas de où. Il n'y a que vous. Peu importe le prix. Ce que vous pouvez faire... C'est me foutre enfin la paix! Viens, Atreus. Laisse-le. Fais ton deuil comme tu l'entends. C'est tellement triste, les gars. Je croyais. Nous étions aussi de sa famille. Nous l'étions. Oh là là. On ne peut pas arranger ça. Pas vrai. Non. Mais moi, je me sentirais déjà mieux quand nous aurons obtenu justice. Justice? Nous ne poursuivons pas la justice, mais la vengeance. Les chemins que j'emprunte mènent tous à la vengeance. C'est peut-être tout ce qu'il nous reste. Nous devons rejoindre Freya. Mais faut retourner voir Freya du coup. Ah là, Odin, il va prendre cher là, frère, faut le baiser cet enculé là, faut le niquer, wesh. On partira vraiment en guerre. Ce moment est venu. Oui. Quand on était à Svartalfheim, on cherchait-il. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas à ça que je pensais. Ah, s'il fallait perdre Brock. Bien sûr, Atreus. Nous le savons. Comment ça, les gars? Comment je passe? Ah, mais je peux aller par là, non? Ah, bah oui, je suis con. Il y a un accès mystique par là, pas loin là. Voilà, c'est bon, il est là. Du coup, on peut y aller.
Hop. Maison de Sindari. Même s'il est plus là-bas, malheureusement. Vous êtes sûr que Freya sera toujours à la maison? Pourquoi en serait-il autrement? Le passage dérobé qu'empruntait Odin était aussi sa porte de sortie. Sans ces maudits corbeaux dans le placard, la maison devrait être sûre. Et elle a besoin d'alliés dans sa quête de vengeance. Oui, c'est notre vengeance à tous désormais. Et sans faux tir pour nous embrouiller l'esprit, ah, il se sera bien moqué de son désir de paix. Et du mien. Exactement. Kratos. Es-tu des nôtres? Bien. L'heure est venue. L'heure de quoi, exactement? L'heure d'unifier les royaumes contre Odin. Une fois pour toutes. Tyr a tenté d'unifier les royaumes. Le vrai Tyr. Tout le monde l'adorait. Et même lui a échoué. Alors nous devons réussir. Car nous serons les derniers à essayer. Ceci est le Ragnarok. Et Odin est systématiquement au courant de chacun de nos plans. Oui, nous n'avons plus le bénéfice de la surprise. Pire encore, nous n'avons qu'un accès à Asgard. Et il n'est pas discret. Gjallarhorn. Ce qui veut dire qu'on entre par le temple de Tyr ici. Le mur d'Asgard est de ce côté. L'armée des Nériards d'Odin occupera la zone située entre les deux. Autrement dit, il nous faut des armées aussi. Toutes celles qui répondront à notre appel. Odin ne s'attendra pas à un tel nombre. Et ce n'est que pour atteindre le mur. Pour le briser, nous devrons trouver Surt. Ratatos qu'a pu nous fournir ceci. Nous irons tous les trois. Je sais où chercher. Splendide. Des alliés, donc. Sur qui nous pouvons compter? Je me rendrai à Helheim, pour tenter de recruter l'armée des morts. Et moi, j'irai à Alfheim, pour unir les elfes. Ah oui, c'est ça, unir les elfes, après des siècles et des siècles de guerre. Eh bien, je suis très populaire à Alfheim. Et toi, à Vanheim? Oui, pour voir Sigrun, et réunir les Valkyries libres. Midgard n'a pas d'armée. Ni Jotunheim, ni Niflheim. Ça ne laisse que Svartalfheim. C'est moi qui irai. Sindri, tu es sûr? J'irai à Svartalfheim. Qu'il en soit ainsi. Puisse la chance nous sourire. Exact. Eh bien. Nous on va à Muspelheim. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, on n'est pas trop mal. Du coup voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement cet épisode il était quand même triste sur la fin. Très très triste, très tragique. Et bah là on a fait une découverte de malade quoi, on s'est foutu de notre gueule clairement le tir là, putain. Bref, là c'est vraiment la guerre contre Odin, là ça va chauffer là, bordel. Voilà, bref, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter et à partager bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, portez-vous bien, ciao ciao.